Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Tuto sur Word. Je suis Mathieu du site tutooffice.fr et aujourd'hui nous allons voir comment mettre une seule page en mode paysage dans Word. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que le mode paysage ? Alors le mode paysage, c'est un mode d'affichage pour une photo, un texte ou un document de manière générale, qui consiste tout simplement à orienter ici la photo comme ça, de manière allongée. Donc là on peut voir que c'est exactement les mêmes photos, on pourrait la remettre normale, comme ici, voilà, et on voit que c'est vraiment exactement les mêmes photos. Donc ça c'est le mode portrait qu'on retrouve le plus sur Word, et mode paysage qui est plutôt utilisé pour tout ce qui est vidéo et photo. Donc dans Word ça peut être assez utile quand vous avez par exemple des graphiques de ce type d'avoir une seule page en mode paysage pour que le graphique soit bien plus lisible et si vous avez besoin de l'imprimer ou même de le partager sur internet c'est quand même beaucoup plus lisible quand la page est orientée comme ça à l'horizontale. Alors en premier lieu on va voir comment mettre un document en mode paysage, pardon. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet mise en page. On va cliquer sur orientation, puis sur paysage. Voilà, et là, ça nous a mis tout le document en mode paysage. Donc c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est la première chose à savoir. On va faire un retour en arrière. Alors, pour orienter une seule page, ce qu'il faut faire, et surtout ce qu'il faut, c'est une notion un petit peu compliquée à comprendre peut-être, il faut en fait créer des sections dans le document. Créer des sections, ça va permettre de dire à Word, ici c'est la première partie de mon document, là tout ce qui est en texte avec les images, là où il y a mon graphique, c'est une deuxième partie auquel je vais appliquer des mises en page différentes, et à la fin de cette page, il y a une troisième partie qui pourra garder la même mise en page que le début. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est se placer au début de la page qui nous intéresse. Ici, on met le sélecteur. On va aller toujours dans l'onglet mise en page, puis cliquer sur saut de page et faire un saut de section. Donc des sauts de section, vous pouvez voir qu'il y en a 4 différents. Le plus intéressant, c'est continu, surtout dans notre cas, puisque ça ne va pas toucher au document, ça va juste placer notre marqueur de saut de section. Mais vous pouvez aussi faire un saut de section en insérant un saut de page en fait, ça va faire les deux en même temps. Ici vous avez aussi sur pair et impair pour faire des sections différentes entre les pages pair et impair. Mais là on est déjà sur des techniques un peu plus avancées quand vous avez de la mise en page assez particulière. Donc ici ce qu'on va faire c'est juste insérer donc un saut de section en continu. Donc ici c'est absolument pas visible, mais dans Word en fait on a ici un saut de section. Et donc ce qu'il va falloir faire, c'est se placer à la fin de la page, donc ici on est à la fin de la page, et insérer un deuxième saut de section continu, pour que Word comprenne que ça, c'est la troisième partie. Alors comme ça, ça ne se voit pas du tout, mais ce qu'on peut faire, c'est aller dans affichage, puis brouillon, et dans brouillon, on a les sauts de section qui s'affichent. Alors où est-ce qu'ils sont ? Voilà, ici on a un saut de section juste avant la partie date graph. Ici on a le graphique qui ne s'affiche pas car on est en mode brouillon. Et enfin, le deuxième saut de section ici pour la troisième partie. Donc on a bien les trois parties. Ici les traits c'est juste quand il y a un saut de page. Donc ici on va venir se remettre sur le mode page, sur l'affichage en page. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est orienter notre page en mode paysage. Donc on va venir se placer sur la page qui nous intéresse, et donc dans la section qui nous intéresse surtout. Et comme tout à l'heure, on va aller dans mise en page, cliquer sur orientation et paysage. Et voilà, notre page est en mode paysage. On peut maintenant redimensionner le graphique et le rendre plus lisible. Ici on a une petite page, mais on va pouvoir l'effacer. Et voilà, et ça va pouvoir permettre de faire des graphiques un peu plus intéressants. On va pouvoir aussi venir redimensionner ici la taille pour gagner un peu de place. On pourrait faire ça comme ça. Et voilà, et ça permet donc de faire des pages avec des graphiques beaucoup plus lisibles et de travailler comme ça plutôt qu'avec le texte orienté dans l'autre sens.
Voilà, c'est tout pour ce tutoriel qui aurait été beaucoup plus rapide que les précédents, mais je voulais un petit peu changer de format et sortir du 20-30 minutes que j'ai fait sur les autres tutoriels. J'espère que ça vous aura plu, et puis comme d'habitude, si vous avez eu des problèmes ou des questions, bah, n'hésitez pas dans les commentaires de YouTube ou du site tutooffice.fr. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'est tout ce que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur PowerPoint, et en attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour retrouver d'autres articles ou d'autres tutoriels. Allez, ciao !